Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir immense, un plaisir énorme pour nous rentrer la caillou à l'occasion de un nouveau numéro émission Paola qui c'est Point Boule. Aujourd'hui, c'est pour une émission très particulière parce que nous allons parler de football qui c'est sport de prédilection haïtien, mais nous allons mettre un peu l'accent sur un défenseur. Défenseur ça c'est pas n'importe qui monde, c'est un défenseur qui prend deux Ligues des Champions. Une avec l'équipe FC Barcelone, l'autre avec l'équipe PSV Eindhoven. C'est un défenseur tout, malgré l'étiquette pour la défendre, mais il a terminé meilleur buteur Ligue des Champions. C'était en 1994, dans l'équipe FC Barcelone, il a marqué 8 goals. En plus, le monde déjà ouais de qui est-ce m'a parlé là. Eh bien, monsieur ça, c'est Ronald Koeman. Ronald Koeman, qui c'est ancien défenseur équipe FC Barcelone, ancien défenseur équipe Feyenoord Rotterdam, ancien défenseur équipe Ajax Amsterdam, ancien défenseur équipe PSV Eindhoven. Donc c'est une personnalité qui jouait dans plusieurs clubs, l'œil tape évolué dans le football européen comme joueur de football. Eh bien, monsieur ça, Ronald Koeman, il fait le 21 mars 1963. Dans le pays de la Hollande, donc c'est un Néerlandais lié. Il a commencé dans l'équipe Groningen. D'ailleurs, c'est là qu'il a commencé parcours professionnel. C'était en 1980, côté que il fait pratiquement 3 saisons dans l'équipe football. 3 saisons il fait dans l'équipe Groningen. Eh bien, comme football et néerlandais à son football qui gagnait 3 grosses machines, c'est vrai qu'il y a quelques bons clubs dans le football néerlandais, mais le football néerlandais lui-même, il connaît 3 gros clubs. 3 gros clubs, ça c'est qui est sûr. C'est Ajax Amsterdam, qui c'est le club qui a remporté plus de titres de Ligue des Champions 1971, 1972, 1973 et 1995. PSV Eindhoven qui a remporté Ligue des Champions dans l'année 1988. Et puis équipe Feyenoord Rotterdam qui a remporté Ligue des Champions dans l'année 1970. Donc football néerlandais a 3 gros clubs. 3 plus gros clubs football néerlandais, c'est Ajax, Feyenoord et puis PSV. Donc monsieur ça qui est Ronald Koeman, il fait pratiquement 3 saisons à évoluer dans l'équipe Groningen. C'est là tout le monde a découvert talent joueur football ça. Eh bien, il quitte Groningen, il est allé dans l'équipe Ajax Amsterdam. Dans l'équipe Ajax Amsterdam, côté que il a remporté titre de championnat néerlandais, c'était en 1985. Eh bien, dans l'équipe football ça, pas seulement Ronald Koeman, il a gagné M. Sakele Marco Van Basten dans l'équipe Ajax Amsterdam. C'est dans la période ça tout que Ronald Koeman lui-même a joué comme défenseur central, monsieur qui a commencé comme milieu de terrain, c'est comme un milieu de terrain qui a débuté dans la carrière professionnelle, et bien il a repositionné, il a joué désormais comme défenseur central à partir de 1985. En 1986, monsieur a quitté l'équipe Ajax Amsterdam pour l'Italie jouer dans l'équipe PSV Eindhoven. Eh bien, dans l'équipe PSV Eindhoven, c'est là où Ronald Koeman a remporté le premier titre de Ligue des Champions. C'était en 1988. L'équipe PSV Eindhoven bat dans séance de tir au but équipe Benfica Lisbonne. Benfica de Lisbonne perdu final 6-5 dans séance de tir au but. Et le ça, c'est Antonio Veloso, qui c'est papa Miguel Veloso, qui c'est média défensif équipe Hellas Verona dans le pays d'Italie. Et bien c'est Antonio Veloso qui t'a raté tir décisif ça, tir au but décisif ça, face gros goalkeeper néerlandais qui relève monsieur ça, Hans Van Breukelen, c'est lui-même qui était goalkeeper équipe PSV Eindhoven. Dans l'équipe PSV Eindhoven, tu as Wim Kieft, dans l'équipe ça, tu as Ronald Koeman, dans même équipe ça, tu as Hans Van Breukelen que nous dit ça tout à l'heure qui était stoppé tir au but décisif ça pour Antonio Veloso qui c'est papa Miguel Veloso. C'était une grosse équipe de football. Sans oublier l'équipe de football, ça, tu as Eric Gerets qui était capitaine sélection Belgique qui a fait demi-finale Coupe du Monde 1986. Eh bien, Ronald Koeman a remporté 3 titres de championnat avec l'équipe de football, ça, 87, 88 et 89. Et il a même joué tout avec Romario. Romario, nous connaissons, qui était passé dans l'équipe PSV1 dans fin décennie 80, plus précisément après sacre équipe PSV1 dans la Ligue des Champions 1988. Eh bien, monsieur ça, il prend non seulement Ligue des Champions 88, mais il prend Euro 88 dans tout avec la Hollande. D'ailleurs, lui-même avec Frank Rijkaard, il jouait comme défenseur dans l'équipe football, ça, équipe la Hollande qui te bat sélection Union soviétique là 2-0 avec un goal de Gullit, un goal de Van Basten. Eh bien, monsieur Sakile, Ronald Koeman était vraiment important dans le dispositif Rinus Michel, dans l'équipe qui a remporté Euro 1988. Là. Quitter l'équipe PSV aller dans l'équipe FC Barcelone en 1989, côté que Lucien il pratiquement fait 6 ans dans l'équipe FC Barcelone, de 1989 à 1995, Ronald Koeman fait 6 ans avec l'équipe FC Barcelone. Eh bien, dans l'équipe FC Barcelone, il était continué à être une pièce importante dans le dispositif coach équipe catalane. On a parlé de plus gros joueur néerlandais de tous les temps, Johan Cruyff qui prend 3 ballons d'or, 71, 73, 74, qui était coach équipe Ajax là, et bien qui était passé dans l'équipe FC Barcelone comme coach. Eh bien, avec l'équipe FC Barcelone, Ronald Koeman était une personnalité importante dans le dispositif coach là. Les mêmes Ligue des Champions en 1992, nous songez superbe coup français, un coup franc de près de 30 mètres pour te permettre l'équipe FC Barcelone battre l'équipe Sampdoria de Jeanne, 1-0. Pagliouka, à l'époque, c'était un gros goalkeeper, mais Pagliouka, malheureusement, pas capable d'empêcher ballon en lui-même, lui rentrer dans le camp. Dans le final 92, là, côté que Barcelone bat l'équipe Sampdoria de Jeanne, 1-0. Eh bien, M. Salé même, il prend 4 championnats d'Espagne avec l'équipe FC Barcelone dans la période que le table journée équipe FC Barcelone. Elle était même pris un titre de meilleur buteur de la Champions League saison 93-94. Monsieur ça, il a scoré 8 goals pour l'équipe FC Barcelone dans la Ligue des Champions 94. La Ligue des Champions que l'équipe Barcelone n'a perdu en finale, c'est l'équipe Milan AC qui bat l'équipe FC Barcelone 4-0. Malheureusement, monsieur ça, qui est Ronald Koeman, pas capable de remporter un 3e titre de Ligue des Champions en carrière après 1988, après 1992. Eh bien, monsieur Sarr, il n'est pas seulement un défenseur qui est solide, il n'est pas seulement un défenseur relanceur, il n'est pas seulement un défenseur qui est tonique, il n'est pas seulement un défenseur qui est un bon dribbleur, tout, c'est un très bon dribbleur qui est très solide, qui est très compact. Je parle de Ronald Koeman, qui a quelques paramètres extraordinaires dans le football en termes de package, mais c'est un gros buteur. Oui, c'est un gros buteur. Eh bien, monsieur Sarr, qui est Ronald Koeman? Il fait plus de goals que Xavi Hernandez. Il fait plus de goals que Zidane. Il fait plus de goals que Iniesta en carrière. C'est le défenseur qui a marqué plus de goals dans toute l'histoire du football mondial. On a parlé de Ronald Koeman. Eh bien, Ronald Koeman, il inscrit 193 goals en 533 matchs qu'il jouait avec club li dans le championnat. Que ce soit avec Groningen, que ce soit avec l'équipe Ajax Amsterdam dans laquelle il jouait là-dedans, que ce soit avec l'équipe PSV Eindhoven dans laquelle il jouait, que ce soit avec l'équipe Feyenoord Rotterdam dans laquelle il jouait, sans oublier l'équipe FC Barcelone, monsieur inscrit 193 goals en 533 matchs. Ronald Koeman, un défenseur qui fait tout goal ça pour club li. Eh bien, même Ronald Koeman ça, il scoré en tout 239 goals en 685 matchs que il jouait pour club li. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire un défenseur buteur. C'est prototype de défenseur buteur là, Ronald Koeman, qui inscrit 193 goals pardon, en 633 matchs et en tout, dans le club, il a scoré 239 goals en 685 matchs. Et même Ronald Koeman ça, pour sélectionner néerlandaise là, que le jouait 78 matchs, il a scoré 14 goals pour la sélection néerlandaise de football. Ça dit qui ça? Ça dit un joueur qui inscrit en carrière 253 goals, ça qui fait de lui joueur comme défenseur qui manquait plus de goals dans le football mondial. Eh bien, Ronald Koeman, c'est une personnalité légendaire qui manquait football mondial là, par talent de passeur, par talent de buteur, par talent de bon relanceur. D'ailleurs, il a même surnommé Rambo. Nous connaissons célèbre acteur américain ça, Sylvester Stallone, qui jouait Rambo, yon saga qui est les Rambo, eh bien, il a tiré les messieurs ça, Rambo, en l'honneur avec Sylvester Stallone, qui c'est un plus gros acteur qui marquait le monde Hollywood, le monde cinématographique, là, eh bien, il a été comparé Sylvester Stallone avec Ronald Koeman. Ronald Koeman, qui c'est un footballeur énorme, qui marquait le football mondial, là, par talent de buteur, comme défenseur, il prend 2 Ligues des Champions avec l'équipe PSV Eindhoven. Et l'équipe FC Barcelone, il prend plusieurs titres de championnat espagnol, plusieurs titres de championnat néerlandais, sans oublier, il terminé déjà meilleur buteur de Ligue des Champions saison 1994-1995. Un joueur légendaire qui prend Euro 1988 là, avec la sélection néerlandaise, mais malheureusement, en Coupe du Monde, il n'a pas faire gros bagaille avec la Hollande en Coupe du Monde parce que génération ça, pas de jambe permettre la Hollande faire en demi-finale de Coupe du Monde, pas de jambe permettre la Hollande remporter des compétitions qui plus légendaires dans le monde là. Eh bien, génération ça, les premiers seuls Coupe d'Europe, mais en deux générations ça, tu as des joueurs fabuleux. C'était le cas pour Ronald Koeman, c'était le cas pour Ruud Gullit, c'était le cas pour M. Sakele Van Basten, sans oublier Frank Rijkaard. Ronald Koeman, un footballeur énorme qui s'est défenseur qui marquait plus de goals dans l'histoire du football mondial, 253 goals pour Ronald Koeman, 239 goals pour club et 14 goals en sélection. C'est là nous mettons fin avec une nouvelle sortie ça, de l'émission Point Boule. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour une émission qui a plus belle que ça.